Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes le 24 décembre. Donc, je pense, ce sera pas aujourd'hui, je vous mette la vidéo, mais voilà, j'espère que vous aurez passé un bon réveillon. Et voilà, je vous souhaite un bon réveillon, mais la vidéo, elle sera déjà faite. Et enfin, le 24 sera déjà passé. Alors, aujourd'hui, on va continuer à ouvrir les courriers qui me restent. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais essayer de tous les ouvrir dans cette vidéo. Alors déjà, nous avons une enveloppe de A. Alors je pense que c'est Anne ou je sais pas. Voilà, comme ceci. Alors on va ouvrir ensemble du 70. Alors. Tac. Bon. Ah, c'est fait avec le dice de chez Action. Joie et partage. Regardez la carte. Et là, elle est coupée comme ça, avec des petites étoiles sur le côté. C'est sympa comme tout. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et à l'intérieur, elle a remis ça. C'est sympa. Franchement, l'idée, elle est vraiment super sympa. Et là, autour, elle a mis ça. Ouais, franchement. Elle a utilisé en fait le tour du papier pour remettre ici. Elle est vraiment super jolie ta carte. Ouais, c'est Anne, c'est ça. Ah ouais, j'aime bien. Alors avec les strass là, c'est trop trop bien. Merci beaucoup Anne et moi aussi je te souhaite de belles fêtes de Noël et fêtes de fin d'année. Vraiment super sympa. Franchement la carte elle est trop trop chouette. J'aime beaucoup. La carte est vraiment très sympa et ça fait un effet en plus avec les petits trucs là. Ça fait un petit effet 3D puis avec les petites paillettes là, enfin les petits strass, fallait y penser. Franchement elle est super jolie. Je te remercie beaucoup Anne pour cette gentille et jolie carte. Franchement ouais. Canon et avec le petit dice de bordure et tout là, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite nous en avons une de Nelly du 51. Alors Nelly, alors j'ouvre hors caméra hein, parce que vous savez qu'il y a les adresses dessus. Alors bonne année. Alors, faut juste que je trouve comment elle se met la carte. Ah oui, je crois que c'est. C'est ce que j'avais fait en tuto. À mettre un côté, j'arrive pas à en mettre l'autre. Je vais pas arriver à mettre l'autre côté. Si, si, voilà. Donc nous avons une carte à poser comme ceci où il y a écrit bonne année ici avec du ouf. Voilà. Donc j'avais fait un tuto dans ce principe-là qui est très sympa. Et là, j'ai son petit mot. Merci beaucoup, toi aussi Nelly. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et plein de belles choses en fait. Mais je vous le dirai après quand l'année, quand le 1er janvier sera là. Ah ben, j'ai tout ça, alors que j'ai pas touché tout de la matinée. Très jolie carte. Par contre, il faut prendre un papier un petit peu plus rigide pour que ça tienne. Mais très jolie carte. Alors attendez, je reviens. Bon, désolée, je suis allée boire un coup parce que là, sinon, j'allais m'étouffer devant vous. Merci beaucoup, Nelly, pour ta jolie petite carte. Ça fait super plaisir. En plus, elle est faite avec un de mes tutos. Donc, j'adore, j'adore. Allez, ensuite, nous avons une carte de Nathalie du 35. Alors, avec un joli timbre comme ça. Vous avez mis tous des jolis timbres dessus.
Ben, je m'étouffe, je sais pas pourquoi. Alors. Je vais pas y arriver à faire cette vidéo. Alors là, j'ai un long mot et là, nous avons la carte, ou je sais pas si c'est une carte, comme ceci. Y arriver. Bon, je reviens. Donc, nous avons une petite carte où il y avait une petite ceinture comme ceci. Je vous ai même pas montré. Voilà, comme ceci. Et on ouvre. Alors ça, c'est une carte que j'avais fait l'année dernière, il y a 2 ans. Voilà, c'est une petite carte pliée comme ceci là. Je les trouve trop trop belles, ces cartes. C'est trop trop chouette. Et derrière, elle a mis aussi un petit mot. Merci Nathalie, moi aussi je te souhaite un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. C'est super gentil à toi. Et là j'ai un autre mot. Merci à toi Nathalie, c'est super gentil, merci beaucoup. Et oui, je réponds sur quand vous m'envoyez des messages sur Instagram ou par mail, etc. À chaque fois, je vous dis, je vous réponds. Si je vous réponds pas, c'est vraiment que je n'ai pas reçu vos messages. Voilà, je tiens à le repréciser, mais je réponds tout le temps. Ensuite, j'ai un courrier de Jocelyne, alors qui m'a décoré son enveloppe comme ça. Voilà, très joliment décorée. Alors, Jocelyne nous a déjà envoyé un calendrier de l'Avent d'Elia. Et des petites choses. Enfin, des petites choses. Beaucoup de choses. On a une jolie carte comme ceci, fleurie, qui brille de partout. Elle a mis plein de petites paillettes. Comme ça, c'est vraiment super beau. Waouh! Ah, trop bien, c'est une encore que j'ai fait avec un de mes tutos. Elle est vraiment belle dans ces tons-là. Elle est vraiment très très jolie ta carte. J'adore. Merci beaucoup Jocelyne, toi aussi une très bonne année, une bonne santé, mais ça je vous le dirai à tous, comme je vous ai dit, au 1er janvier. Ta carte, elle brille de mille feux. Je pense que si tu as mis des paillettes dessus avec de la colle. Et ça rend super bien. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Jocelyne. Vous voyez, plein de cartes. Trois avec de mes tutos, donc c'est cool. J'aime bien. C'est, j'adore, j'adore, j'adore. Et la dernière, donc, c'est de la part de Dominique. C'est Dom, du 76. Ma petite Dominique. Alors. Oula, oula. Oh, un petit Kinder. Non, 2, 3 petits Kinder, 4 petits Kinder. Ah, j'en ai une, elle va être contente là. Alors, on a des petits Kinder comme ça. Des mini Kinder. Hop, ça c'est top. C'est super bon. Ça c'est top de chez Top. Alors, je ne sais pas où est la carte. Ma ville. Je n'ai pas prévu l'enveloppe, désolé. Alors, ma ville. Donc, elle a dû m'envoyer une carte postale. Je vous ai toujours dit, ouais, c'est super sympa. Le Havre. Alors, le Havre, je connais de nom, mais ma ville où il fait bon vivre. Sa plage et ses cabanes. Gros bisous, Dom. Alors, je connais de nom. Alors, je crois que c'est dans le nord, ça, non? Le Havre. C'est ça, les cabanes de plage que je vous parlais, moi. Là, moi, j'adore avoir les cartes postales de chez vous. Je connais pas du tout. C'est un endroit que je ne connais pas du tout. Je ne suis jamais allée au Havre. Et c'est ça que je vous disais, je vous parlais une fois, vous saviez, des petites cabanes de plage et tout ça, où vous pouvez vous changer, etc. Mais ça, on voit que sur les plages. Enfin, je dis que c'est dans le nord, mais. Ouais, si, c'est dans le nord. C'est là, là. Moi, je suis en bas, là.
là-haut. Ah, c'est cool, merci. C'est top. Ça fait voyager un petit peu. En plus, on voit un beau ciel bleu. Enfin, en même temps, aujourd'hui, on est le 24. J'ai un super soleil. Il fait presque 17 dehors. Enfin, bon, on n'a pas un temps de Noël du tout, du tout, du tout aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Jolie carte aussi. Joyeuses fêtes tout en flocons. Alors, nous avons une carte comme ceci avec plein de petits flocons blancs comme ça et avec une petite clochette, trois petites perles. Franchement, ça rend bien aussi, hein, vous voyez? Regardez. Encore une fois, une carte simple mais efficace. Et derrière, vous voyez, elle a marqué son mot comme ça dessus. C'est trop bien. Merci beaucoup, Dom. Toi aussi, passe de bonnes fêtes, d'un bon Noël déjà, et puis après, une bonne année. Merci beaucoup, c'est top. J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, nous avons une serviette. Il y a un truc dedans. Nous avons une jolie serviette de Noël ici. Ah, on a un petit ATC. Alors, ATC de joyeuses fêtes tout en flocons. C'est la 3 sur 3, elle a été faite le 3-11-2022. Comme ceci. À la sortie, à la carte. Trop bien. Alors les flocons, je sais pas si c'est de l'embossage que tu as fait ou si c'est... Je pense que c'est de l'embossage que tu as fait. Elle est chouette hein, aussi. Hein. Franchement, super belle. Et on a une jolie serviette comme ceci avec un Papa Noël, un vintage. Ah, et là, on doit en avoir une autre. Ouais, et là nous avons une autre ATC et on a une serviette où on a un petit renne comme ça, enfin un gros renne, qu'on est toujours petit. Et là nous avons une voiture comme ceci. Trop sympa. Merci. Et là nous avons une ATC. Pareil, flocon de Noël, le Havre, donc elle a été faite le 13-12 et c'est la 7 sur 8. Avec un petit bonhomme de neige, des flocons, une boule de neige. Voilà, comme ceci. Très, très sympa. Merci beaucoup, Dom. Ben, je vous remercie beaucoup, les filles. Merci beaucoup, la team. Merci vraiment pour cette année là. Et ben, moi aussi, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes du coup de Noël. Mais bon, vous aurez cette vidéo un petit peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Scrapez bien. Et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.